Alors, pour ce petit tutoriel, je voudrais montrer comment dessiner des hachures. Alors, pour cela, il faut aller dans le menu Modèle, ici. Donc, je clique dessus. Et ensuite, je clique sur Point d'interrogation, ici. Alors, je voudrais dessiner des lignes à 45 degrés. Donc ici, j'ai la case angle. Si je tape 45 degrés, j'ai ma prévisualisation là qui se met à 45 degrés. Ensuite ici, si je veux rajouter une deuxième ligne, je peux rajouter une deuxième ligne. Donc ici, ça s'est dégrisé, le cadre ligne 2 s'est dégrisé. Et pareil, je peux manipuler l'angle ou bien la case ici, c'est pour l'espacement entre les lignes. Voilà. Et aussi, je peux faire du remplissage ou bien mettre des points. Moi, ce qui m'intéresse dans ce petit tutoriel-là, c'est juste des lignes à 45 degrés. Donc, je vais prendre une ligne ici et je vais mettre à 45 degrés, un espacement de 0,2. Et je ferme. Ensuite, je vais dans le menu Ligne. Je change le stylo. Je clique sur le bouton Y. Alors, pourquoi je fais ça? C'est juste pour faire un trait de construction. Voilà, par exemple. Je retourne dans le menu Modèle pour faire ma hachure. Je revérifie que je suis bien avec une hachure qui me plaît. Je ferme. Et ensuite, je peux cliquer sur le bouton Surface, ici. Et il me demande le premier coin. Donc je clique sur mon premier coin. Ensuite, il me demande mon deuxième coin. Donc là, je fais au jugé avec la souris, hein, à l'œil. Voilà. Donc ceci symbolise un bâtiment existant. C'est pour cela qu'il y a marqué le texte maison existante à côté. C'était tout pour ce petit tutoriel.